Bonjour à tous, ici Lucas Mortis pour Passion Gaming Québec. Aujourd'hui, on se retrouve sur FS19 comme un genre de tuto. Il est 6h27 du matin dans notre partie et nous avons fait pas mal de missions dernièrement, comme vous pouvez le remarquer avec l'argent qu'il y a là. Et nous avons aussi pris du temps pour promener les chevaux. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose qu'on s'est rendu compte en les promenant. On va aller voir les chevaux tout de suite. Ils sont à 100% et valent 50 000 $ chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons aller les prendre et en racheter des nouveaux de façon à ce que on ait 100 000 et que les prochains, on les achète à moindre prix. Je rappelle que pour les chevaux, c'est une promenade par jour jusqu'à ce qu'ils soient à 100%. Et quand ils sont à 100%, on peut les vendre. Donc, on va aller chercher la bétaillère. On va prendre leur... On va les prendre et aller les ramener là où ils se doivent, c'est-à-dire aux commerçants en bétail. J'espère que vous allez bien, je vais à merveille. Malheureusement, nous avons perdu un abonné. Je suis très peiné de savoir ça. On a perdu un abonné, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, ça peut arriver. Dans un autre ordre d'idée, vous allez avoir moins de vidéos par semaine pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, j'ai eu un téléphone qui me proposait un emploi. Donc, je serai un peu moins disponible pour faire des lives, des jeux. Vous aurez quand même droit à votre vidéo par semaine. Ça, je vous le promets. Donc, vous aurez une vidéo par semaine, mais pas vraiment, vraiment plus. Je voulais vous en avertir. Je sais que plusieurs d'entre vous adorez ce que je fais. Donc, j'espère vous revoir en grand nombre malgré tout. Nous allons transférer nos deux chevaux. Confirmé. Et voilà, ils sont tous les deux là, même si je n'en vois qu'un. Ah non, ok, les deux sont collés, c'est juste que... Voilà, c'est juste que on les voit pas bien. Et on s'en va aux commerçants en bétail pour les vendre. Nous en achèterons fort probablement plus. Plus d'ouvrages, mais un bon montant d'argent. Je vous rappelle que le commerçant bétail est juste au-dessus de notre champ 14 et en même temps, nous allons vérifier notre champ à combien il est rendu. À quel pourcentage de fertilisation il est. Tant qu'à passer dans ce coin-là. Vous remarquerez que j'essaie
d'être le plus véritable possible, c'est-à-dire que je passe lentement par les chemins disponibles, je ne fais pas au travers des champs le plus possible. Et j'essaie de faire comme je ferais dans la vraie vie. J'espère que cet état vous satisfait. Même que, regardez, on va faire ça encore plus vrai. On va se promener dans la benne, dans le tracteur et non dans la benne. Nous aurons à faire du désherbage. Il va sans dire. Nous en sommes au deuxième stade, si je vois bien. Et tout est fertilisé à 100%, donc nous aurons à faire de l'herbicide. Nous le ferons en dehors de la vidéo. Bien évidemment, parce que on a tous déjà vu ça au moins une fois. Voilà. On arrive très bientôt. Je crois qu'il y en a un qui est décédé dans ce bout de chemin. Juste ouvrir le menu des animaux. On s'en va de l'autre côté et on va déplacer les chevaux. Confirmé. Ce qui nous donne un beau 100 000. Maintenant, on va remplacer ces animaux-là. On veut pas de cochons, on a déjà des vaches, malgré qu'il va falloir en avoir d'autres. On va prendre un cheval gris, un cheval palomino, un alezan et un bail, puisque il y en a d'autres, mais on va prendre ces quatre-là pour le moment. On confirme. Voilà, ils sont là. Tout le monde. Et nous allons aller les porter dans leur enclos. Je vous rappelle que l'enclos peut tenir 8 chevaux. Donc, on aurait pu en avoir 8, mais à 4, c'est déjà très, très, très rentable. Nous aurons à fournir fort probablement plus de nourriture, plus d'eau et tout, mais c'est assez facile à faire. Donc, on retourne à la maison. Aller porter nos nouveaux pensionnaires. On les renomme pas. On ne fait que les entraîner. Et voilà. On y va. On va passer par ici. C'est un peu moins compliqué.
Donc, en résumé, on a vendu deux chevaux à 50 000 $ chacun pour un total de 100 000. Et nous avons acheté quatre chevaux à 5 000 $ chacun pour un total de 20 000. On a un revenu de profit de 80 000 sur nos chevaux. Pour les abonnés qui ont envie de venir jouer avec moi, je vous réitère l'information et l'invitation. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le jeu, d'avoir du temps, d'être adulte, et vous pouvez venir jouer avec moi sur Xbox. Ça va me faire hyper plaisir de vous faire participer à ce grand développement de la chaîne et de votre ferme en bout de ligne, parce que c'est votre ferme. Voilà. Nous y sommes. Nous allons débarquer nos nouveaux pensionnaires. Juste ici. Et voilà. On ouvre le menu chevaux. On déplace les quatre. Confirmé. Et voilà, nous avons nos quatre chevaux bien à leur place dans l'enclos. On ramène la bétaillère à sa place et nous allons aller voir par la suite qu'est-ce qui manque à nos amis les animaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, des commentaires constructifs, des partages. Si c'est pas déjà fait, ben abonne-toi. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Lupus Mortis, Passion Gaming Québec. Au revoir.